Shalom, chers amis. Que penser des nouvelles directives comme quoi il faut vacciner contre le Covid les jeunes de 12 ans à 15 ans? Réponse: je ne suis pas un médecin, les rabbins ne sont pas des médecins. Mais la Torah nous dit, verapo yerapé, il guérira. Autrement dit, quand on est malade, on n'a pas le droit de compter sur la providence divine qui nous guérira sans effort, mais il faut s'adresser aux médecins. Mais que faire s'il y a controverse entre les médecins? Réponse: ce qu'il faut faire dans tous les cas où il y a controverse. La Torah nous dit de suivre la majorité. Controverse entre les sages, majorité des sages. Controverse dans la direction de la nation, majorité des dirigeants. Controverse entre les médecins, la majorité des médecins. Autrement dit, la direction centrale de la médecine. Médecine israélienne, médecine mondiale. On ne peut pas être égoïste et penser seulement à soi-même. Il faut faire une analyse de groupe, le bien de la nation. Et non pas ce qui s'appelle le passager clandestin. Le train voyage n'importe quand, n'importe comment, que je paye ou que je paye pas, donc je ne paierai pas. Erreur très grave. Faut pas seulement penser à soi-même, mais il faut penser à tout le monde. Et que Dieu nous envoie prompte guérison. Shalom.